va faire un plaisir de vous expliquer le déroulement de la soirée. J'oublie toujours de le présenter. C'est à Rotterdam. Plutôt d'avoir quelqu'un qui vient de vous dire quoi faire ici à Saint-Léonard-Saint-Michel, vous allez envoyer quelqu'un à Ottawa pour lui dire qu'est-ce que les gens de Saint-Léonard-Saint-Michel pensent et qu'est-ce qu'ils ont comme préoccupation et qu'est-ce qu'ils veulent faire pour leur avenir. Et ça, votre humble secrétaire à Saint-Guillet va faire. Qui est à Saint-Guillet qui est devant vous maintenant? Je suis ingénieur de profession avec un baccalauréat et maîtrise de Concordia. Je suis avocat à la retraite et profession et je suis gradué de l'Université de Montréal. Donc, aujourd'hui, je suis membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et membre du Barreau du Québec. Et avec votre confiance et votre appui, je serai membre de la Chambre des communes pour parler pour vous et pour parler pour vous et pour travailler pour vous. Maintenant, c'est le temps d'avoir un député qui travaille pour vous, à plein temps. Ici à Saint-Léonard-Saint-Michel, l'affaire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'écoute. Donc, écoutez les acteurs, les gens qui sont les plus proches de la situation, puis trouver des solutions ensemble. Comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt d'avoir quelqu'un qui vient représenter Ottawa ici, on veut quelqu'un qui vous représente. Donc, on s'assoit ensemble. Donc, une chose est certaine, quand je suis venu ici au Canada, beaucoup parmi vous ont vécu la même chose que moi, peut-être qu'ils vivent encore. J'avais pas 100 dollars dans ma poche, j'étais immigrant, il fallait que j'aille. J'avais pas d'argent pour acheter des billets d'autobus, j'avais pas d'argent pour acheter des boîtes d'hiver, il fallait que j'aille à pied avec des sommiers d'été pour aller travailler, pour pouvoir vivre, faire vivre ma famille, et faire vivre et faire mes études. Et c'est la même attitude, la même persistance vers être là. Et plutôt de le faire juste pour ma petite famille, j'ai fait pour vous et avec vous. Donc, c'est un programme de collaboration. On a trois nouveaux gouvernements, fédéral, provincial et municipal. Il faut que les trois travaillent la main dans la main pour régler les problèmes. Et c'est ça qu'il faut faire. Et moi, comme votre représentant à Ottawa, c'est ça que je vais m'assurer de faire, loin de la partisanerie et des chicanes. Essayer de travailler avec les trois paliers du gouvernement pour régler les problèmes. Celui-là est votre problème. La seule chose, quand je dis j'ai appris une chose, on nous disait toujours, une des définitions de la folie, c'est de faire exactement la même chose et s'attendre à des résultats différents. Vous dites, ça fait 40 ans. On regarde les joueurs pendant ces 40 ans. Est-ce qu'on est content des résultats qu'on a à date? Et si on n'est pas content des résultats qu'on a à date, est-ce qu'on peut donner une promotion aux personnes qui essayaient de régler ces problèmes-là qui n'ont pas réussi? Est-ce qu'on peut les envoyer de l'hôtel de ville de Saint-Léonard à Ottawa pour répéter les mêmes problèmes? Ou on dit assez, c'est assez, on va trouver des nouveaux joueurs qui vont ouvrir une nouvelle page et qui vont arrêter la partisanerie, qui vont travailler pour les citoyens et pour les gens de Saint-Léonard. Merci. Mais ça passe par les respects. Et ça passe par la compréhension de tous et de chacun. Comme je l'ai dit, je le répète, je suis d'origine immigrante. Quand je suis venu ici, je n'avais pas beaucoup de sous dans ma poche, il fallait que je vive. À l'époque, ça ne s'appelait pas des logements sociaux, mais des petits appartements colocataires, 5, 6, des fois 10 dans le même appartement. Je sais ça et c'est quoi. Je sais c'est quoi ça, de ne pas pouvoir manger 3 repas par jour. Donc, plutôt que quelqu'un qui vient, qui n'a jamais vécu votre situation, qui vient de vous dire quoi faire ou pas quoi faire, je pense que vous êtes mieux avec quelqu'un comme moi qui a vécu votre situation, qui sait de quoi vous parlez, qui sent votre douleur et qui aspire aux mêmes espoirs que vous. Parce que c'est ça qui compte dans une démocratie. On veut élire des gens qui sont nos semblables. On ne veut pas élire des gens seulement parce qu'ils ont des diplômes ou parce qu'ils ont des parents qui avaient des diplômes. Vous voulez élire quelqu'un qui est comme vous, qui a les mêmes problèmes, qui va chercher les mêmes solutions. Et c'est ça qu'on va faire. Tôt ou tard, on va trouver des nouvelles solutions. Parce qu'après tout, on est dans une société de Bordeaux, le Canada, un des plus beaux pays au monde, un des plus prospères, le pays plus prospère au monde. Ce n'est pas acceptable que les gens les plus fragiles et les plus démunis qui payent les prix pour que des gens plus riches vivent une vie meilleure, que ce soit dans des pays, des paradis fiscaux ou ailleurs.